Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de notre Let's Play sur Darksiders 2. On est donc reparti pour cette aventure, nous sommes actuellement dans la Cité des Morts, une nouvelle zone que l'on va explorer dans quelques instants, après avoir fini à Psychameron, qui était une sorte de petit donjon. Et au bout du compte, on a obtenu un nouveau pouvoir, la séparation de l'âme, hein, qui permet d'utiliser notre corps en deux. On dirait un peu Minish Cap, hein, pour ceux qui comprennent la référence. Ah, par contre, je me suis coupé de côté. Ça. Du coup, on va voir ce que ça donne. C'est quoi ça, un changement aussi ça? Je pars. Ah bon? On peut payer pour quoi juste? Mais comme ça, ça tue comme tout le monde. Oh putain, c'est puissant, ça te rend des points ce truc. Oh là 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 là. Ah non, encore son truc, ce truc avec son bouclier à la con. Hein. Putain, j'arrive pas à lui. Je commence à me gonfler. Hein. Pas sa permission. C'est bien, ça fait un peu tuto, ça, tu t'habitues à faire ça. Pour la suite où ce sera peut-être plus dur. Ou je pense que ce sera plus dur.
Oh putain. Ah ouais, c'est un donjon de grandeur nature là, putain. Putain. Oh la vache, il est là, ouais. On va trouver. On trouve jamais les cartes hein, dans ces trucs. Ah. Alors attends, j'ai le score. Hein. Impossible. Là on a rien. Ensuite ici. Donc là. Donc faut allumer ça. Faut d'accord. On a que cette ouverture. Ok. Ensuite ici. Oh putain, mais cette arme secondaire elle est très forte, hein, putain. Alors attends. Oh là 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 là. Oh, je sens la dinguerie dans cet endroit. Prenons notre temps, écoutez, et puis on verra bien. Dans le Darksiders 1, hein, j'ai connu le pire moment de ma vie. Hein. Dans le dernier gros donjon, on va dire. Alors, là, il y a ça. Ça, c'est quoi, ça? Oh, c'est quoi ce truc? Alors attends. Ah bah oui. Alors, il y a des interrupteurs ici. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est limité dans le temps? Je comprends pas comment ça fonctionne ce truc. Attends. Ah ouais, non, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? En fait, il faudrait prendre ça pour bloquer la porte. Hein. Attends. Attends, on va recommencer un truc. Je vais juste voir un truc. Elle s'ouvre comment la porte? Et voilà. Alors attends, comment est-ce qu'on fait déjà? Ah putain, je sais plus.
Donc là, on a compris ce qu'il faut faire, du coup. C'est coincé! Putain, c'est coincé! Pourquoi c'est coincé comme ça? Ah. Alors, on va le mettre ici, à peu près. Peut-être un petit peu plus. C'était pas censé le bloquer ce truc là? Le pouvoir commandement là plus du tout. Alors je ne comprends rien. Je comprends pas quoi c'est censé servir du coup. Bah, je comprends pas, le truc est censé bloquer la porte parce que... je comprends pas à quoi ça sert du tout. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, ça commence déjà! Ça commence déjà! Je comprends pas à quoi sert ce machin parce que quand je vais passer la porte. Bah, il pourra jamais monter dessus. Dès que je vais casser la statue, ça reviendra en arrière. Je peux pas. Quel enfer ce truc, what? Ok, je comprends rien. Il y a un truc que j'ai loupé, je comprends pas. Alors là, pour le coup, c'est un beau piège, là. Attends, je vais essayer de réfléchir. Ouais, à chaque fois que tu fais ça, ça pousse le bloc.
Ah, il peut pas avancer plus loin. Ah, attends. Attends, j'ai une idée. Je vais tenter un truc. Je sais pas si ça va marcher. Oh. Putain, c'est coincé. Bon, regarde le calme. Faut se mettre devant. Attends. J'ai peut-être une idée, mais faut que ça passe. Juste que tu bouges. Voilà. Ensuite, lui. Non, même ça ne l'a pas bloqué. Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc de merde? What? Même... Mais le truc... Je comprends pas. Y a un truc que j'ai loupé. Alors là, putain, what? Je ne comprends absolument pas ce qu'il faut faire, hein. Vraiment. Alors, à moins que... Oui, mais cette plateforme, elle doit servir à quelque chose. Elle bloque pas la porte, elle bloque pas le levier, elle me permet de rien faire. Je peux monter dessus, mais... Ça sert à rien, je peux rien attraper à distance. Ou alors, j'ai pas compris comment fonctionne le pouvoir. Ah oui, tiens, ça. Je l'avais zappé. Un truc de niveau 16, je dis presque. Oui.
J'ai peut-être une technique, mais c'est bizarre. Je sais pas si ça va fonctionner. Attends. Pose ça contre le truc. Lâche. Ouh là là, c'est bloqué. C'est bloqué comme ça. Quel enfer cette partie, what the fuck? C'est parce que je sais pas me servir du pouvoir. Hein. C'est aussi simple que ça. Thank you.
Alors attends, il y a peut-être une autre solution. Côté. Oh, je me suis trompé de côté. Lâche. Ok, cette fois-ci, putain. Ça marche pas. Je commence à ça me casse le cul. Comment tu fais? Si on lâche l'un des boutons, ça changera rien. Oh, j'y comprends plus rien dans ce truc là. Ah, les énigmes sont extrêmement compliquées. Forme de cavalier suprême. Hein? Là, j'ai gagné un niveau de plus. Ah, yes. Okay.
Oh. Ça c'est une clé. Ok, bon on y repart. Oh. Alors ici. Ah, la bande est fermée. Tu fous de moi là? Pas capable d'attraper ton le truc là? Ah bah voilà, merci. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Des trous partout ici. Je vois rien. Hein? Lâche. Il n'y en aura plus qu'une pour le premier chapitre. Ah, à quoi ça sert d'avoir fait ça, hein? Je comprends rien ce qui se passe. Il y a des fois, hein, je préfère ne pas savoir. Savoir ce qui branle le tir. Putain, c'est pas possible ça. Vache. Je comprends rien, ça m'énerve quand je comprends rien. Oula. Attends,
Ah. C'est pas clair, hein, cette histoire. Oh. Je suis tombé. Je suis tombé. Ah, ça me saoule ce truc, putain! C'est casse-tête de bâtard là. Ouais, on sait pas, on n'a pas le. Priorité, c'est de. Je suis bigleux, putain. Je suis un gros bigleux qui ne voit rien, comme d'habitude. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi, c'est pas possible ça. N'importe quoi, je fais n'importe quoi.
Je regarde pas, je suis pas attentif, c'est pour ça que je me fais avoir en permanence. Lâche, c'est parti. Mauvais côté. Putain. Bon, enfin, en fait, du coup, ça c'est quoi? Ah, il y a une lanterne. Ça ouvre quoi? Faut que je trouve où est-ce que ça a ouvert. Ça ouvre quoi? Ça a ouvert un truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est bah, je sais pas où c'est. Mais c'est où? Ah, j'ai vu. J'ai vu.
Je regarde juste. Attends. Ok. Ah. Il faudra que je retrouve Vulgaine, évidemment. Ça va se faire, ça va se faire. Bon, déjà, on va finir ça. Montre-moi la voie. Ça a bugué ou quoi? Va falloir continuer. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, elle est déjà assez longue. Et la prochaine fois, on reprend l'exploration de cet endroit et on continue notre chemin. Évidemment, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour la suite de Darksiders 2. À très bientôt.